Bonjour les enfants! Alors je vais vous raconter la suite du livre de Toby, que l'on trouve évidemment dans le livre de Toby. Donc, Toby Père a décidé d'envoyer Toby Junior, qui est encore un jeune adolescent, chercher l'argent qu'il a confié à un ami. Mais le voyage va s'avérer périlleux et Toby Père dit à son fils: va sur la place de village et va trouver un de nos frères qui va t'aider. Et le pauvre Toby Junior va sur la place du village et se dit: comment je vais choisir? Comment m'aider? Et là, il trouve un homme d'une belle prestance. Il va vers lui et lui dit: ben voilà, est-ce que tu accepterais de m'emmener jusqu'à Ektaban? Et alors, lui de répondre: avec plaisir. Toby Junior est tout content, emmène l'homme nommé Azarias à son papa, et son papa lui dit: attention, on va d'abord voir qui il est, voir s'il est de bonne famille, voir s'il est capable de t'accompagner, je ne confie pas mon fils comme ça à n'importe qui. Et donc, Azarias lui révèle qu'il est de la même famille que lui, le fils d'un de ses frères. Toby, père, est tout content et donc confie son fils plein de confiance. Et ils partent. Ils vont sur le chemin et ils cheminent durant de longues heures, durant de longs jours. Et à un moment donné, Toby Junior a chaud et on passe près d'une rivière. Et il va se baigner. Et là, il y a un gros poisson qui lui agrippe le mollet et qui le mord. Il veut se débattre, et Azarias lui dit: non, 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 aide-moi, on va le tirer sur la rive. C'est ce qu'ils font tous les deux, et donc ils ont un bon poisson à manger, et Azarias lui dit: nous allons garder le fiel du poisson et les ouïes du poisson. Cela te servira certainement plus tard. Toby Junior ne comprend pas pourquoi, mais il fait confiance après tout. C'est celui que son père lui a donné et il faut le suivre, suivre ses recommandations. Et ils arrivent dans une petite ville pour faire étape. Et là, il se trouve que son père lui avait donné l'adresse d'un de ses amis. Et donc, il frappe à la porte et une femme vient le rouvrir. Immédiatement, Toby est subjugué. Il la trouve belle, belle, belle. Et il tombe immédiatement amoureuse d'elle. Son père, l'ami de son père, vient le voir, l'accueille. Et Toby Junior se dit: je veux l'épouser. Ce n'est pas possible, je veux l'épouser. Vous avez deviné, bien sûr, qui c'était, les enfants. C'était celle dont on a parlé la dernière fois. Celle qui avait des problèmes avec ses maris, qui tous les jours, les maris mouraient à chaque fois qu'elle l'épousait. Et Toby donc tombait amoureusement, éperdument amoureuse d'elle, amoureux d'elle. Et il demande la main à son père. Celui-ci est tout content, il se dit: chouette, ça y est, ma fille est mariée. Mais il se dit: j'espère que le mari passera la nuit. Il organise une grande fête. La fête elle finit, les deux amoureux vont se coucher. Et Toby Junior dit à sa femme: avant de passer notre nuit de noces, nous allons prier pour recommander notre union à Dieu. Parce que ce que je veux, c'est que notre amour soit l'amour même de Dieu. Et Azarias lui avait dit: pendant ta prière, tu feras brûler dans un petit récipient les ouïes du poisson et le fiel du poisson. Et cela éloignera le mal de toi. Alors, Toby Junior se rappelle des conseils de son maître et il fait brûler le fiel et les ouïes du poisson. Que va-t-il se passer?
À demain, les enfants!